Cela est à inscrire comme l'une des retombées du sommet des trois bassins forestiers tropicaux. La signature entre le Congo et l'Union européenne de la feuille de route du partenariat pour les forêts, l'acte officiel accompli ici par la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo pour le compte du gouvernement et Virginicus Sikivicus, commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche, en présence du premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, vient ainsi matérialiser l'engagement de l'Union européenne annoncé lors de la COP26 à Glasgow en 2021 et réitéré un an plus tard à Sharm el-Sheikh en Égypte à la COP27. Cette convention de financement garantit une enveloppe de 25 millions d'euros que l'Union européenne mettra à la disposition de 7 pays du monde, y compris le Congo, pour la protection, la restauration et la gestion durable des forêts. Dans son mot de circonstance, le représentant de la présidente de la Commission de l'Union européenne au sommet de Brazzaville, Virginicus Sikivicus, qui a félicité le Congo pour son faible taux de déforestation, invite le gouvernement à le maintenir à ce niveau. Poursuivant son propos, il a fait un plaidoyer pour une économie forestière durable en faveur d'une exploitation équitable et respectueuse de la planète. Telle une plus-value aux accords de Paris sur le climat, pour le premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, cette feuille de route augure de perspectives meilleures dans ce combat qui engage tous les pays du monde. Nous pouvons donc nous en féliciter, tout en nous donnant rendez-vous sur le terrain pour la mise en œuvre des activités retenues d'accords partis au regard des différents axes. Je saisis alors cette occasion pour renouveler la gratitude du gouvernement de la République du Congo à l'endroit de l'Union européenne pour l'appui et l'accompagnement soutenu aux initiatives nationales liées à la préservation des écosystèmes forestiers et de la biodiversité. L'économie forestière durable, parce que justement, nous voulons, dans la volonté du président de la République de diversifier l'économie, nous appuyer sur l'économie forestière pour améliorer la croissance et la rendre beaucoup plus inclusive dans notre pays. Vers une transition énergétique durable, nous avons tout à gagner à faire ce voyage ensemble, a dit le commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche, avant de quitter le Congo.